Travers le monde, bonjour les Bakou, il y a Kominye, Mokonalelo, et le Ngona Pona, Congo, Mbote, Nabino, Bakongo, Manion, se parpille à travers le monde, Boebolamu, Namanaka, Nabino. Est-ce qu'il faut rappeler que nous sommes en direct des antennes de Congo Buzz Télévision, chers téléspectateurs? Bah, internautes, nous sommes sur la page, Mbote, Boebolamu, partagez, nous sommes sur le message, nous sommes sur le Mikolo, Poto, Lobia, Maï, Matali, Mboka, Congo, Likambatali, Molima, Ba, députés nationaux, selon ODEP, bango basoaka environ 9 000 $, pe ba sénateur basoaka 11 000 $, ko bakisaka ba ba mosolo nyonso basoaka pembeni pembeni topé onyonso ezali kolanda yango ezali komema mosolo yango kino na 21 000 $ topé 33 000 $ selon ODEP. Ndenge eyebi ko réagir sima ya maloba ya président et ensemble national nanga monaye coalition le Congo n'est pas à vendre bango bayebi ko constater que ba propos ya président et ensemble national de Kovital Kamere ezali ni conforme na paiement topé na loi de finances 2024 ni na pratique ya paiement pe d'autres ba avantages mosusu na maimatali ba parlementaire congolais bango ba ridal ko talisa ke ba parlementaire topé ba député na biso ba soka plus que mon solo ya 5 000 $. Il faut rappeler awa que ndeko Vital Kamere lors ya clôture ya session ordinaire ya mars saloba ki solo ke ba député bazwaka 14 millions de francs congolais topé 5 000 $ en dollars ba avantage union so na kati o bato ya société civile balobi solo et Zali Bongote Namae Matali Mboka Congo vice-premier ministre ministre de l'Intérieur Ndeko Jacquemain Chabani a bibongo convoqué ba gouverneur nouvellement élu pour na ba, notification na bango mokolo ya lobby mercredi 19 juin na cabinet na ya Mosala toebi ke ba union sowana bazala ki déjà bandi mama kipe na tata mokambi ekolo esengeli bakota bongo na Mosala notamment ba pe à Kinshasa. Awa Ndeko Daniel Bumba, l'Union africaine a condamné fermement l'attaque au Ezala qui a coûté 150 personnes bon moyen bango depuis mois de juin et banda qui bango batali ici que bazali ko condamné attaque ya souka autouti ko zoizui biso 42 personnes kuna na beni o esalema ki le 13 juin pe bazali ko senga na mboka Congo ko luka ndenge nyonso ya ko sala pona ko sécuriser population congolaise. Question sur Mosolo ya ba député motuna sur justice ya mboka na biso ndeko Constant Mutamba koti na mwa énergie ya sika po azali elenge a proposé kutu totonga prison ya sika po na bayo bazali ko détourner mosolo l'état lobi azalaki na mwa na mboka Jili Alenge ti po na ko singa ba dossier ezali bongo sensible ko landela yango penza na mozindo alaki bongo ko telemela bongo mais matali détournement pe corruption na mboka. Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Namaye Matali, justice yambo kanabiso to rosso dans la bande de kobaza na biso sur ces plateaux toza bongo spécialement nandeko Feli Kaembe ya UDPS azali ya parti présidentiel et salmo Mikolo Bele mbote pe boye voilà mbote maman momi merci ningi et pour l'invitation na banzi que to rosso la émission kitoko. Effectivement, dans la bande en Boka, dans Zungi, il y a un gros touillé pour tout le qui sa Ngongaoyo et émission. On a souhaité bonne journée, ou soit la PSI, la combattante, la combattante Mbote et Aïdepes, la secrétaire générale Augustin Kabuya, la Congoman Ibanso, tous les pays, la bande de Konabiso, la bazar dans l'Est, la bande qui est tout partagé. Et un moment difficile où il va collecter sa couna. Et le plus important, ils ont dit les lots. Mon conjambouka a tié ma canici ming côté est couna. Bah, militaire, puis ce va construire la mosala, va coquiner des victoires en victoire.
tu penses que calaté tu croyais ben consulter ça maque moment. Merci beaucoup. La PCP na baninga tu ressens un bango émission Mbote. Possible qu'un métal ba combattant moi ndungu ndungu yo kanaki na ba réseaux sociaux pe na opinion nationale sima ya message to pe communiquer à CG ko singa la ministre ba koti ya UDPS ba sala nano ba former nan ba cabinet ki no UDPS a botinde la bango ba yo ba ko sunga bango na mosala moi réunion et salema ki dimanche je pense poso eleki et salema ki ndenge nini est-ce que ba oui, que nous sommes très proches collaborateurs du secrétaire général Christian Kabuya à tenir qui matinée politique n'abissau dimanche na siège n'abissau la permanence il y a des pèses batébélé va banner colo batébélé c'est que des pèses batou misalaté bat combattant bat bunda bat joie misalaté et belé bat bat kenda la bat cabinet politique ou soit et là, le ministre, comme ça, permanence, parce que il y a ministre mais ministre, il y a solo, il faut avoir un cabinet politique. Cabinet politique est où tu as un parti politique. Il y a un secrétaire général à lobby, quota ou à Bissot, il y a un ministre à Bissot. Il faut baser là, il y a un dimanche qui peut, il y a un secrétaire général. Bah, mususu basala qui na ba cabinet bah il va kozunga na base parce que bah toi si capé bah koki koya tout comme bah koki qu'on maintenir bah toi là mais c'est engelinde et parti n'a plus soyez bah la cotine dans liste et bah toi ouais bah koki mais sur base de quels critères puisque écoutez est-ce qu'il faut être seulement combattant pour aller secrétaire général il y a beaucoup à lobby ce n'est pas tout le monde qui doit dire qu'il n'a koki dans le ministère des finances ceux qui ont salé bah économie tout qui nous salé nikuna. Et ceux qui ont sali médecine, ou qui ont sali la santé, ceux qui ont sali. C'est-à-dire que par rapport à profil, le secrétaire général Augustin Kabuya a continué à battre la main. Il faut que le ministère, dans le cas de Bato Batangate, le huissier Pé Bazalaka, Bato Pé, ceux qui ont acquis, ceux qui ont document, côté Sangopé, dans le bureau Moussous Bazalaka. Je pense que les alliés règlements, il y a Bissot, Autopési, les alliés pour nous. Pour éviter ma cambo et belé à ma bé, mais ma combattant, va m'y retrouver. C'est très important. Yango, te féliciter, ministre de la Finance, Fouamba, à Senga qui déjà, Batonion, sur Bazonga, Bazela, liste à partir de la ministre de la il y a Bengala, c'est parce que Atikali n'a pas conseillé dans la partie, dans le cabinet, il va conseiller, on a Bazali, Kaka, Bato, et Aïe. Donc, ceux qui vont sous zone qui parti, ce n'est pas un problème. Très bien. Maton Domingue, merci pour l'éclairage. Tu as occupé la de peste, pour ce fait, tu as changé mes salles, mais dans le cabinet, tu as tout le monde sur l'autre. Tu as fait la de peste, tu as nommé le directeur du cabinet chef de l'État, Kenzo, Azali Congolais, le collègue Congolais, Azali qui coûte ce qui DG à ONIP. On a lundi, Azali Moutouyama, il est IDPS et CPLIT, parce que nous avons été IDPS et Zalakande, si je suis en Zambouka, ou je suis en Zambouka, comme ça, là, tu me dis, mais toi, tu es en Zambouka, tu es en Zambouka, tu es en Zambouka, parce que Zali confiance en Zambouka, à placer et pas en Dekonabiso, je pense qu'il y a comme ça, tu es CPLI, Zali Moussala. Il ne faut pas croire toujours, maman Naomi, que Bissot se fait comme un ministre, Bissot se fait comme un directeur de cabinet, chef de l'État, Bissot se fait comme un DG. Et ça, bon côté. Bah, nommé ma ministre, mais surtout continuer à travailler. Bah, DG, ce qui paye mon conjoint Bokalobi, Félix KMBA, ce qui est entreprise de Fulani, n'a qu'il n'a pas. Ce qui n'y est. Donc, il ne faut pas qu'on soit la politique, car n'aille, ce qui n'a pas. Ma bé. Merci. Pour ce pays, on peut te féliciter, directeur du cabinet chef de l'État, parce que c'est un homme de Dieu. Et ça, je suis très bien. Je compétence, très bien. Je suis très Domingue, je suis très bien. Je suis très Christian Moleka, je suis politologue, coordonnateur, il y a 10 pôles. Je suis très bien. Je suis très bien. Je suis Christian Moleka, bonjour. Merci, Mbote, Naomi. Mbote, je suis très bien. 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 Je suis
na le kia wate ce qui ngonge pesami to ya toujours porter contribution na biso et to signaler que ça la société civile avant au koma to za ki na mwa mituna mai matali ba emolmo ya ba député tango de kofita caméra lobby et za $5,000 ba avantage union sur la carte mais na ngamba société civile ndati sa ODEP au étalé si observatoire de dépenses publiques ba lobby et za bongoté et za 9,000 dollars pe Ezali au-delà, puisque l'avantage bah, ce sont mes mangons à $21,000. Comment est-ce que au monde du Cambodge, tout on dit mais la nage des conseils nationaux, tout on dit mais la société civile. On garde quand même le rapport à ODEP parce que le Cambodge il y a un monument, on dit que le bongo sur côté, et on dit débat depuis l'année passée. Et ce qu'on a dit même, bah déclaration, bah différentes déclarations, bah députés, bah comment qu'on va passer, bah chiffres belles, et au canipé dans des caméras lobité. Je crois que ce qui volonté Zali Ndenga Loba qui affiché à réduire par Nabango, ça doit s'exprimer par une loi. Ça veut dire un budget rectificatif ou il faut modifier. Et je crois que l'ODEP a ça les travaux documentés depuis très très longtemps. On prend avec ça que, au-delà, il y a une autre rubrique émoluments. Parce qu'on peut faire le débat sur la bah, rubrique budgétaire. Hein. Le rubrique émoluments, il y a une partie. Il y a enveloppe députée à Zouaka. À part Rwana, bah, bah, frais moussous soit ajouté, n'a côté rubrique émoluments. Et donc, ce que c'est, si bah, frais n'y sont pas Zouaka. Toyo rappelle les camoufles, il y a invisible hein, au Bazouaka. Ce que c'est, en gros, il y a au-delà, il y a montant, bah, c'est un jeu de mots. Je crois que la démocratie n'a a besoin de la traçabilité et de la transparence. Ce qui est bah, député, bah, lingui, transparence, budget rectificatif, il y a bah, corrigé, budget rectificatif, dans la loi, et ce qu'il y a une déclaration verbale. Mais en quoi est-ce que réduction en train de vivre des institutions et co-aider, puisque tout le monde dit que le Cameroun a tant que le Kimingi, budget à 16 milliards, la population s'est retrouvée. Ce qui va diminuer, bah, émolument, bah, salaire, il y a l'institution. Le débat est très important. Par contre, il faut comprendre le Bissot. Tout le budget a 16 milliards. Il faut que le baboui. Le budget de Bissot est à 16 milliards, 60% du budget qui est en fonctionnement, il y a l'institution. Oui, tu as la caca, tu as un investissement. C'est-à-dire que tu as un zéla, tu as un école. La plus grosse partie du budget est que tu as un fonctionnement de l'institution. Et bien, sans toi, ils ont la présence de la République, ils ont un parlement, ils ont un gouvernement, ils ont un assemblée provinciale. Donc, ce qui est le part, il y a un côté. Elle, tu as un côté. 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 Tu as 12 parties. Bon, ce qui est déjà papa, il y a 6 parties. C'est 12. C'est-à-dire si parti est tikali na maman là-bas. Mais autant d'atté. Donc, si tu as l'ingito équilibré, il faut que le papa dimne kolia. C'est-à-dire que l'ongola, si parti a mis sous naïwana, à l'ongoli 2, ils ont mis la partie, oh, pour partir comme un peu plus gros. C'est ça, lorsqu'on dit réduction, il y a bien il n'y a pas de bien. Ça veut dire qu'on réduire par, il y a fonctionnement, bien sûr, la budget de la mission. Notamment, bien sûr, il y a un rapport, il y a un rapport, il y a CREFDEL, publié il y a récemment, que le Parlement a consommé 1 milliard en 3 ans. Nos deux chambres du Parlement ont consommé 1 milliard et demi de dollars en 3 ans. Mon frère, tout le Cameroun il y a 145 territoires, tout le Cameroun il y a Kotiaba lampadaire, tout le Cameroun il y a Kotiaba forage. Mais quand les parlements vous consomment 1 milliard et demi dans un pays comme le Congo, c'est trop. Il faut qu'on réduire par le Parlement, bongo surplus wana Kotiaba n'a pas projet d'investissement. L'après ministre est venu avec un budget intéressant, pas trop le bilan en profondeur, mais c'est un bongo. Tout en bon, ce que tu vas nous en quantité qu'on rationalise ma dépense en commençant par réduire le train de vie à l'institution. Sur ça, c'est ça le tout l'intérêt du débat. Ce n'est pas simplement qu'on la contre ma députée, mais ça qu'on équilibré dans mon cas. On peut aller plus loin en termes de justice sociale. Ben, car des salaires dans mon cas, c'est un peu trop. Sur aujourd'hui, bah, différentes corporations sociales, il y a un autre créé, bah, attention. Ça veut dire, oh, as un professeur d'université dans le campus, tu as un peu de temps. 17 millions alors qu'il y a 2 millions de francs. La tendance c'est quoi? Tout le monde va aller là où on paye plus. La polémique était dans les Cambango, tata mokambe kolo nzoka banza na tango ya na tango ba election uti koleka lubaki ba député ba sala mwa mosala mingi ba kenda bazonga kana vacances ko kino kota la base ba sungaka et peut-être ya monde yo sala ke ba somo mosolo. Non mais non mosala ba sala kawana eza ko mosala mingi te. Ce que vous avez battu de parlementaire, tu as les alliés, non? Il y a encore Boutelli qui fait un rapport. Vous prenez la moyenne de plénière par mois. Ils font combien de plénières par mois? Et combien, ils font combien d'heures par plénière? Comptez. Par rapport aux alliés, les députés ne travaillent pas. Ce que vous avez censé la loi, tout ça, on a beaucoup d'abus. C'est le gouvernement qui propose. Les parlements proposent moins. En termes de qualité de travail, en termes de temps de travail, en termes de qualité de travail, les parlements ne travaillent pas.
au moment on a des vacances à temps plein au Zonga, il y a au moment un nombre de plénières tout ça là. Et ben la R-Nine, si la R-Nine, combien de débats? Et sur le 500 députés, combien parlent? Même si tu es au babago parlementaire, on connaît au bout du doigt qui sont les députés qui sont actifs et les restes, les qui sont pour, qui sont contre. Déjà en termes d'avantages, il y a mieux loti. Est-ce que lui qui est député de la mission, il y aura mieux que le député à pays européen? Le parlement européen, par exemple. Tu penses qu'il travaillera plus que le député européen? Je ne pense pas. Et ça que déséquilibre, ça m'a cassé. Développer ça plus d'importance dans l'institution politique que dans le corps social. Alors qu'il faut qu'on rééquilibre, pour nous. Non seulement parce qu'il faut la justice sociale, mais également parce qu'on a besoin d'un bon. Toi, on a besoin d'un bon, les amis, tu as la ressource manquée. Mais la ressource manquée, comment nous distribuons cette ressource pour être équitable vis-à-vis de tous les Congolais? C'est ça le débat de fond. Et donc, quand les gens parlent de réduire par et à l'institution, c'est parce qu'ils ont injuste. On peut aller même plus loin en termes d'injustice. Moi, j'ai travaillé au sein de. Du Parlement provincial de 2006 à 2018. Prenez l'écart entre ma députée et ma assistante parlementaire. Prenez même l'attentation salariale. C'est grave. Et là, on m'a cassé trop. Donc, il y a des injustices qu'il faut totalement équilibrer pour que tout puisse avoir un abus de cohésion et concorde nécessaire. Mais juste, on a petit dossier à Ndekonanga, Félix Aimbe qui parlait de cabinet ministériel. C'est une question très délicate, mais il faut tous en voir avec beaucoup d'intérêt. Le cabinet politique, un cabinet ministériel, ce sont les collaborateurs personnels d'un ministre. Parce que la politique repose également, et bien, très bien, sur la confiance. Lorsque nous commençons à imposer des collaborateurs qui n'ont pas la confiance de l'autorité qui est censée les diriger, tout ce qu'on a un cabinet informel, c'est-à-dire que vous avez un cabinet officiel, un cabinet ministériel, mais le ministre a également un cabinet privé et qui travaille à l'extérieur. Donc, il faut faire attention entre l'équilibre. Il y a, oui, qu'on récompense politiquement Baba Bundi dans la politique, mais qu'on paie sa marge d'autorité à désigner le collaborateur personnel naïe, ou bah qu'on aide la vision pour la combat nikokene. Deuxièmement, le Kambuya cabinet ça cerveau, c'est le conseil politique administratif du ministre. C'est-à-dire, il faut un minimum à la fois de cohésion en termes psychologiques et technologiques, mais également, il faut batouya qualité en termes d'expertise. Les cabinets ministériels, ils ont commis qu'on l'a là, parce qu'on met des gens qui n'ont pas un background. Ça veut dire, bon, admettons, on a un licencié en économie, c'est très bien. Mais si tu es conseiller en matière économique à Mokanabiso, il faut que tu aies une certaine connaissance de la cartographie des questions actuelles, des dossiers. Mm-hmm. Ça ne t'apprend pas à l'université. Ça suppose que tu as une certaine expertise dans le domaine depuis quelques années. Sauf que tu es conseiller en matière politique monétaire, ça suppose que tu as un background, ça ne s'improvise pas. Il ne suffit pas d'avoir un simple diplôme, il faut avoir une certaine expertise, une certaine expérience dans les questions pour avoir la réponse technique à apporter au ministre. Parce que le ministre de cabinet, qu'est-ce qu'on fait? Les notes techniques. Le ministre décide à la fin, mais avant de décider, il y a un processus de décision qui fait qu'on s'appuie sur un collaborateur. Ça veut dire, faites-moi une note technique, proposez-moi des suggestions techniques pour qu'il y ait justifié la décision. Maintenant, si vous mettez autour du ministre des gens qui n'ont pas l'expertise nécessaire, pour l'aider à décider. En conséquence, dans la décision sera mal prise. Vous connaissez que la recommandation qu'on aide, dans ce sens-là? Je pense que la faiblesse de l'UDPS, c'est la faiblesse du Palou. C'est d'avoir des partis de masse. Et comme tous les grands partis de masse, comment vous gérez tous les militants qui ont combattu à vos côtés et qui ont besoin d'accéder aux avantages du pouvoir? C'est vraiment un grand défi des partis de masse. Maintenant, il faut trouver l'équilibre entre l'expertise de la gouvernance, être un parti de gouvernement qui demande de l'expertise, et la gestion des ambitions des partis de masse. Je crois que la réponse, il y a un militant, ils ont davantage dans la réforme industrielle à apporter en termes d'emploi industriel que dans l'emploi politique. Parce que l'emploi politique, c'est un emploi, je dirais, sélectif. Très bien. Très sélectif plutôt. C'est super, Manoumi. Je pense que ils allaient une position terre. Parce que le ministre Yemoko a eu confiance, il y a eu confiance, il y a parti. Ce qui est pour dire qu'il n'y avait pas eu un concours. Au Moni, en plus de ça, le ministre Yemoko a eu un quota. Ce n'est pas pour dire qu'on impose tout le monde 100%, non, 100%. C'est-à-dire que le ministre a eu 60%. Mais le parti politique n'a pas eu accompagné qui est le parti politique qui a eu droit, il y a eu 40%. Mais le ministre reste avec son quota de manière à ce que Yemoko a eu Songo la constitution dans le domaine noyo la question pour même parti politique peut et bien retrouver ce n'est pas une imposition. Merci beaucoup Molamboka, tous les de Jean Pingalou l'article de Yambaye Molamboka, vous êtes personnalité politique proche de l'opposition, bonjour et bienvenue. Merci Nayo Mama Naomi na sepeli makasi na tina été ndengo mesana kotala été moto et tikali moko na opposition comme na majorité pour appeler les grands cerveaux
l'intelligence de la nation et l'incarnation des bons sens et de la rationalité que nous sommes. Nous sommes tous les deux. Je dois me réjouir du travail que j'ai fait. Je dois me réjouir. Donc, c'est l'intelligence de la nation et le cerveau d'État. Dans l'obélaka, on a anticipé peut-être. Je félicite et je remercie. Ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition qu'on peut voir tous les mal partout. Je suis ici en train de remercier M. Augustin Kabuya. Et je demande à tous les secrétaires généraux de tous les partis politiques dont leurs membres ont été pris et placés dans ce gouvernement de recommander, d'obliger. Moi, j'ai dit d'obliger et de recommander. Pourquoi je l'ai dit? Depuis un grand temps, lorsqu'un ministre devient, il prend ses membres de la famille. J'ai entendu, vous êtes en train de dire, madame, ça m'a fait très mal. Que non, on doit chercher s'ils sont compétents ou pas. Lorsqu'ils prennent leur makangu, ils prennent leurs membres de famille, de cousins, est-ce qu'ils testent les niveaux? Quelle est la production scientifique de nos cabinets? Alors non, pourquoi quand il s'agit de la population, pourquoi quand il s'agit des jeunes, nous, on nous impose des expériences, on nous impose beaucoup des histoires, mais quand il s'agit de leurs femmes, il s'agit de leurs makangu, là on ne pose rien comme question. Non, moi j'ai dit à M. Augustin Kabuya, c'est pour la première fois que nous nous mettons d'accord avec lui. Les jeunes Congolais saluent ce que vous avez fait. Et j'ai dit que ça ne s'arrête pas là-bas, même au niveau de la présidence. Nous voulons voir quand même l'image qu'on voyait dans l'idée, dans les PPRD à l'époque. Quand vous passez sur Royal, vous allez trouver, on trouvait à l'époque vide, on ne trouvait personne. Que tu sois de l'opposition, on passait là, on parquait juste à côté, on prenait nos sucrés, il n'y avait aucun problème. Pourquoi? Parce que même les Batomakas, les Pomba avaient pris du travail. Et c'est ça la raison d'un parti politique. Car la partie politique, qui est au Kansas, mais il vous... Non, j'étais dans les volets politiques. Okay. Permettez-moi que je reste là-bas. Donc, dans les volets politiques, moi, je suis un ancien de l'IDPS. Je connais comment nous avons battu. Nous avons voilà les jeunes que nous nous battons avec à la télé ici à tout moment. Les Joël Kitenge, les Ress, les Armand Moukoulou, tous les jeunes communicateurs ici. Ce sont des commandeurs sur la place publique. À tout moment, ils doivent commander. Mais ce sont des jeunes gens qui ont des licences en droit, qui sont des médecins, qui sont ça et là. Moi, je dis que, M. Augustin Kabuya, là où vous me suivez, j'ai dit, pour mieux faire, organiser un petit concours, hein. Ça c'est pour donner la chance à tout le monde, pour aussi avoir un peu de cerveau. Tel ministère qui vous ont demandé autant de personnes, alors appelez les jeunes de cette obédience, de cette filière scientifique, vous les appelez, un petit test, vous recrutez les bons cerveaux, vous donnez à ces ministres-là. Qu'ils ne disent pas, oh, les ministres doivent travailler avec les gens de confiance. Non, non. Mais je suis collaborateur de toi dans le parti. C'est quand tu deviens maintenant ministre que je perds la confiance en vous. Non. Donc, yangwana na so solisi koloba ete pour nangai na sepeli mala mumingi na décision IDP sazui na kubanza ete et le kana et kendeti na ba parti politique union se mena deuxième volet, penser à la nation, penser aussi à la nation. Aujourd'hui, il y a 54 ministères. Alors, si vous pouvez aussi réserver un quota pour n'importe quel jeune que vous pouvez aussi recommander, ça sera aussi une bonne chose pour la nation, parce que biso combat nangai atan moto azali na opposition to ali na pouvoir elenge o yazo zo mosala elenge o batie na mosala ba récompenser pour nangai lokola elenge o ya kobunda pour na rajeunissement ya classe politique na biso enuni kaka bato ba 60 bato ya kaka histoire. Non, nous voulons voir des jeunes gens. Pourquoi pas Ndeko Nangaza la directeur du cabinet de quelque part? Est-ce que Zaka Malam Toko soit na gagné na politique pour récompenser? Il peut être aussi ministre, il peut être aussi DG, il peut être directeur du cabinet quelque part. Il a des compétences, il a tout.
mon frère de la société civile mérite aussi également. Wana et Tumbaranga et Loko les liens dans la politique. Là, ce n'est pas de l'opposition, de la majorité. Je jette beaucoup de fleurs à M. Auguste Kabuya. Tout le monde l'opposition, il y a beaucoup de gens qui ont assis à l'État, le gouvernement soumis. Il y a l'opposition, il y a beaucoup de gens qui ont été porte-parole. Il y a l'opposition, ça tire à balle réelle entre les camps Fayoul et les camps Katumbi. Les tournois, est-ce que l'opposition a joué le rôle? Biso tolobaki boy balamba balia bakomona biso te ata bazui mami wata bazui huile d'olive na mai masanto na catholique balambi mosuni ya lolenge nyonso bakolambaka na kati na régime oyo. On n'est pas pour quelque chose pour nous. Tshisekedi a eu le pouvoir d'une manière très cavalière avec les institutions illégitimes, illégales. Ici, des élections, bourrage des urnes, vol des machines, contestation. C'est la CENI qui organise les élections, que la CENI elle-même commence à se plaindre sur les bourrages, les vols des machines, tout ce tohu-bohu de dérobade. Pour nous, Balamba, Balia, Basalo, Basali, nous, on se prépare pour 2028. L'opposition a eu affaire, comme Kitissa, Kopusa, Naipemen, à Félix, mais nous avons été toujours déçus. Vous n'allez pas me dire, c'est aujourd'hui que Moïse Katumbi devient Congolais. Non, madame. Moïse devient Congolais aujourd'hui pour occuper les postes de porte-parole de l'opposition. Mais quand est-ce qu'il a eu maintenant la nationalité? Il a cessé d'être juif, il a cessé d'être qui? Quand? Non, ça c'est une aventure. L'opposition qu'on s'organisait. Plus opposition toko lo baboy, to yali kunate. Tobi makamona bangote. Opposition zali rétroviseur ya pouvoir. Bato sakabisote. Pour nous, tozo koloba ete balamba balia toko yate. Makambo kendo ko s'organiser na pouvoir o toko s'organiser na bango te. Tout ce que nous demandons à ce que Tshisekedi gère le pouvoir. Toke na 2028, nous allons aller aux élections, nous allons les mettre hors état de nuire par rapport à sa gestion calamiteuse, par rapport à ses à l'incompétence, par rapport à tout l'incompétence extrême, même sur la gestion de l'embouteillage. Alors, nous attendons 2028, on se prépare, ce n'est pas pour des petits postes, et l'opposition n'a jamais été dans ce parlement. L'opposition joue le rôle que je suis en train de faire, de critiquer la gestion, de proposer. L'opposition fera ce travail. Nous n'allons pas aller encore conjuguer avec ce pouvoir pour être porte-parole. C'est pour faire quoi? Merci. Servir quoi? Est-ce que c'est ça notre lit à nous comme opposition? Nous, on ne reconnaît pas ces pouvoirs, on ne reconnaît pas ces régimes qui sont illégitimes et illégaux. Parce que dans cet hémicycle-là, il n'y a pas un député de l'opposition qui est de l'opposition. L'ensemble a commis l'erreur qu'il avait commis plusieurs fois. Aujourd'hui, Moïse Katumbi veut commettre les mêmes erreurs. Non, il doit rester constant. Si on est de l'opposition, restons constants dans l'opposition, comme Étienne Tshisekedi l'a fait l'autre fois, aujourd'hui emboîté par Kabila, et aujourd'hui avec Martin Fayoulou, aujourd'hui avec les restes, nous allons observer Tshisekedi, qu'il fasse ce qu'il va faire, la population va s'occuper de lui, cette population merci qui souffre. Beaucoup, on n'a pas besoin de cette histoire-là. Gouvernement soumis noir, y a-t-il des raisons, y a qu'on dit, mais attends, qu'on espérait quelque chose, tout le monde qui bissoni en sort, présentation, il y a programme, il y a gouvernement, un programme très ambitieux, il y a 90 milliards pour 5 ans, 18 milliards chaque année, et Simbi, 6 engagements, Tatamo Kambieko, l'emploi, 6,4 millions d'emplois pour 5 ans, presque chaque année, Torozo, l'emploi est Belendenga, Pessibuso, sécurité pour tous, diversification et économie, OSA, Italie, Bongo, service, Yamboka, Torozo, Yango, Bissonion, Sondingue, programme soumis non et kaboli budget et kaboli makanisinango pour 5 ans à venir. Est-ce qu'il faut croire puisque selon Batwebele ça discours et ça chapelé de bonnes intentions, est-ce vrai au fond de Kofeli Kayembe? Est-ce qu'il faut croire à ces deuxième mandat? Est-ce qu'il faut croire au gouvernement soumis non? Y a-t-il des raisons? Merci beaucoup madame. Je pense que
Et il faut croire, nous ne pouvons pas refuser de croire. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord Congolais, et nous voulons à tout prix que ces pays puissent changer dans tous les domaines. Donc c'est tout à fait normal que nous puissions croire, d'autant plus que nous sommes les chantres, bien entendu, de la bonne gestion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous qui avons cette charge de la population congolaise, nous qui avons ce souci de cette population, et nous voulons voir cette population voir un changement, vivre un changement dans son vécu quotidien. Et donc, il faut que nous puissions croire. Mais bien avant que je puisse répondre à la question, laisse-moi le temps de rebondir par rapport à ce que l'ami a dit. Vous savez, il ne faut pas toujours parler, soit pour satisfaire certaines sensibilités. Merci. Il ne faut pas tout le baka parce qu'il faut tout satisfaire sensibilité. D'abord, je salue sa responsabilité de Akuluba. Secrétaire général Christian Kabuya à Sali Bolamou, c'est tout à fait normal. Mais Oyo Kolobaki Moïse Katumbi Akumi Congolais Lilo, c'est une contradiction. Pourquoi? Parce que ce qui est au commun la loi Yatiani, Oya Proposaki, portée par Essingi Pouloulou, la loi des nationalités, des pères et des mères, quelque chose comme ça, Katumbi. Bandima qui est à niveau Yasseni, Bandima qui est à niveau constitutionnel pour acquérir l'élection. C'est que pour dire, il est reconnu comme Congolais aujourd'hui et en plus de ça, c'est lui l'opposant. Martin Fayoul n'a pas droit peut-être à cette question de porte-parole parce que porte-parole, selon la constitution, ils ont joué. Nakati, il y a parlement, opposition parlementaire, bien qu'il ne faut pas collaborer dans l'opposition et ça parlementaire. Donc, ça, il faut retenir. Gestion calamiteuse. Il n'y a pas une gestion calamiteuse, monsieur. Aujourd'hui, il faut dire quand même qu'il y a un changement dans notre pays. Aujourd'hui, il faut dire qu'il y a un développement dans notre pays. Oui, tout ce qui m'a sauté, ma cambozali et belé, il faut tout cela les sous-sous, ma difficulté est allée au Yabiso, mais il faut dire que, et si c'est ce qu'il y a à côté du pays, à l'ongoli, tout si tu commis quand même dans la rail, tu as aucun des. Gestion calamiteuse est allée. Et à solo, Batomoussous, peut-être, Oyo, il y a Mayel et Mabé, Bako Iba Mbongo à l'État, mais Namoni, quand même, la justice est commise saisie à Batomoussous, tout le monde va présumer innocent jusque-là, mais justice a mis son écho à la Moussala, de manière à ce que Makamomana et Mabé et Silla. Bon, incompétence, embouteillage, Diko Kalan, on parle de quoi? Embouteillage. Moi, on a route à qui Paris, j'ai vu un embouteillage de désert du temps. À Paris. C'est que pour dire, il y a un problème. Dans le Nagina, dans Dubaï, il y a un embouteillage. Embouteillage, les alliés, est fait privé, ou soit, il Congolais, kakate, les alliés, c'est pour dire, ton coquille Koloba, embouteillage, les alliés, mais comment réglementer de manière à ce que bateau batambola. Les lots, n'aoutiez pas n'angai, n'azui moutouka n'angai, n'ané la première n'a moyen embouteillage de. Au moni, n'a moyen qu'à policier, n'a pas point chaud le col, n'a quoi, n'a pas point où il est ricouna, n'a pas n'aïe, n'a policier kuna, n'a pas réglementé. N'a commis, n'a côté maman et moi, je vois ça. C'est que pour dire, ils allaient peut-être que les cambois réglementation, mais, quand on a un embouteillage, ils ont dit, c'est que tu as créé un côté papa. Ata sous Joseph Kabila, c'est la terre Kabila Biso, embouteillage de Zalaki. Sous Mobutu, embouteillage de Zalaki. Na Bamboka Bapaya, embouteillage de Zalaka. C'est question de réglementer cela. Ils ont eu le pouvoir d'une manière. Non. C'est aucune date élection. Aucune date élection. Soit calme, monsieur. Pendant que tu parlais, j'étais calme. C'est aussi ça l'élégance politique. Et faisons un débat des grands. Allez-y. Pas des caniveaux. Et donc, aucune date élection. Na élection, non? Peuple congolais et voter Félix Tshisekedi. Je suis l'homme le plus heureux. Pourquoi? Parce que, biso tout ça, na kisa saté, tout temps, vous le rappelez, ba maagi, ba bounya, ba ici ou partout. Au komikuna, au tuni, ba kolbake, te voter Tshisekedi parce que ton dimi politique na ye, na action na ye. Moi, ça me fait la joie. Mais puis nous avons eu une élection. Tu étais présent d'abord comme personnalité pour dire ce que vous avez perdu, ce que vous avez perdu. Donc tu dois te définir dans quand vous allez. Ce que vous avez perdu, il faut que vous avez une élection. En 2006, quand vous avez une élection de Rolanda, en Lula, tu as battu 2006, puis 2011. Tout ce qu'on peut vous demander, oui, vous êtes des Congolais, vous pouvez émettre les avis. Mais bon, observez comme si vous n'êtes pas parti présente. Pourquoi? Parce que vous avez un mot. Vous avez une élection qui est à Zalité. Vous avez une décision. Moi, je pense que Mme Soumouina, merci pour la question.
à cause la musala na ye. Donc on perd sa chance. En français on dit on juge un maçon copié d'Imir. Il y a solo Azali déjà comme ça na moni na mokona sala qui na parlement jour ba ko investir bango projet na ye ba dima ki ango pa ba député na biso Azali na volonté à cause la musala mais il faut si ko yonde kongomani nyoso oyo alingi mboka na ye atindika bango basala musala. Et puis, il y a un président de la République, il y a un président de la République, il y a tout premier conseil des ministres, il y a évaluation, il y a sanctions positives, il y a sanctions négatives. Je l'ai enseigné de manière à ce que trois mois après, parce que Mme Soumine a un portefeuille, il y a un chef du gouvernement, il y a un portefeuille, et si il y a un portefeuille, et il y a un que chaque ministre, chaque fin, et chaque trois mois. À ce moment-là, le ministre n'y a pas excellé, ministre n'y a pas excellé. Pourquoi? Parce que, dans le dit, de la caméra à l'oubli, chaque mercredi, Patrick Mouya et Asalaka, chaque ministre à Koubandakouya, qui a quand même activité, n'y a pas évolué. Je pense qu'il ne faut pas que tout le ministre, comme si ils étaient devenus des électrons libres. Bah, nommé, yo. Aux alliés la charge à Mboka, aux alliés la mission Oyo, Mboka et Pessio, il y a qu'on change dans le domaine Nayo, il y a qu'on sale de manière à ce que Batoba Mona Claire, il faut qu'on sale. Mais pour cet instant, il est un peu très tôt pour que nous puissions porter un jugement négatif, bien entendu, sur la gestion de Mme Soumina. Nous attendons à ce qu'il puisse totaliser ce gouvernement trois mois après, Tokoye Basoki, décollage des alliés. Mais ce qui est vrai est que Moni, volonté Ezali, décision la détermination Ezali, de manière à ce que Tokoye de Liboso, et nous attendons les bons résultats, et nous croyons certainement qu'on aura ces bons résultats. Je chute en disant, un ancien président américain, John Kennedy, dit, Bosenga, Oyo Amérique, à cause de la binoté, mais Yo Moko Américain citoyen, Omitunani, à cause de la pône Amérique. Je demande à ce que tous les Congolais, car habitent tous dans un plateau, à Wate, Maloula, ou bien mon ami et frère Christian Moleka, essayez que Moutouna Moutouna niveau naïe, Maman Ote Kakananzando, Ozalakasso qui huissier, Ozalakasso qui bourgoumestre, Ozalakasso qui ministre, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, pour un pays dans lequel négocie, c'est le plus important. Pour moi, l'ambocandeco Christian Moleka, Oza, la société civile, programme et gouvernement soumis noir, puisque depuis un moment, est-ce que ça programme espoir pour 5 ans et en termes d'emploi, 6,4 millions d'emplois, est-ce que ça possible? Ce qui est possible, est-ce que le peuple congolais, il faut croire à ce gouvernement, il faut espérer au changement dans les 5 ans à venir? Gouvernement et à Maman Soumina, ils ont un défi ébélé. Ils ont un défi liboso interne. C'est que, malheureusement, il y a un moment où l'opinion intérieure, de manière assez générale, ils ont un peu la méfiance de la classe politique. Donc, on a un attente de grâce. Le gouvernement Soumina, ce côté, il y a un peu comme ça, il y a un mandat, il y a un mois période de grâce, il y a un jugement. Mais il y a un environnement où il y a méfiance, il y a l'attitude des alliés, donc on a un attente de grâce. C'est déjà une grande faiblesse, parce que il y a une solution à court terme, rapidement. Deuxième défi, c'est l'environnement international. À ce gouvernement, à un moment où, même l'international, la tension est ébellée, Moyen-Orient, je ne vous parle même pas des tensions en Ukraine, des exemplaires, et peut-être qu'il y a vers une guerre mondiale. Et donc, à la possibilité de mobiliser par l'international, États-Unis, Trump, Koleka. Donc, l'international peut marcher dans mon. Donc, le défi est énorme. Après, 92 milliards. 92 milliards, ils sont réalistes. Ils sont réalistes pourquoi? Toujours en 2018, le président Félix Alobi a coupé sa Congo budget 80 milliards en 5 ans. À l'époque, tu as un budget 3 milliards. Donc, passer de 3 ou 4 milliards à 80 milliards voulait dire qu'on multipliait par budget par 20. Ça a été impossible en 5 ans. Tu as aussi le mandat avec officiellement 16 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on est passé de 4 à 16 milliards. On a pratiquement multiplié par 3 le budget. Il y a lobby 18 milliards l'an. Donc, si on surtout qu'il y a un budget 2024, où il y a 16 milliards en termes de budget voté, non en termes d'exécution, tu as surtout l'exécution budgétaire. 18 milliards, ils ont largement atteint en haut. Ce qui a sali la réforme structurelle importante, ce qui a sali l'austérité dans Kati, a rationalisé, a atteint 18 milliards. Mais ils ont manqué pourquoi? Tout le monde a mis en place. Le gouvernement Samuel Koundé a voté qui plan directeur d'industrialisation avec le ministre Julien Paluku en 2021.
Le plan directeur à l'industrialisation, c'est-à-dire l'intro ça, la production de sa industrie dans Boka pour te créer Misala. Et 5 à 58 milliards. Rien que le plan directeur à l'industrialisation. 58 milliards de dollars. Le plan industriel et lobby, il faut tout le cas, tout le cas, 9000 entreprises dans 1960, tout le combien 525 entreprises dans 2020. Il faut doubler l'entreprise par an pour tout le monde qui va étudier Nabisso. Et c'est un bon moment de faire. Donc, cadrage budgétaire Nabisso n'a pas prétention Nabisso et ils ont un peu de mal à monter. Donc, il faut, à ça, la moussa la makasi, à la fois, il y a qu'on rationaliser la dépense, d'où les cantons qui a réduire le train de vie à l'institution. Il y a qu'on orienter prioritairement la dépense dans le secteur et ça stratégique. Par exemple, le Banzela. Or, malheureusement, tous les grands projets à Banzela, ça a mis un mandat passé. Et ceux qui n'ont pas tout le temps bah, détournement financier, ils ont la Tile Gelou, ils ont le projet 100 jours, ils ont le tout dernier projet, tout le monde qui a été en éclairage public, ils ont mis en justice. C'est-à-dire, sur les projets routiers, on a eu énormément de gabégies financières. Comment faire pour que tout répète Rwanate et que Bambon ils ont rationalisé la dépense et qu'il y ait une action prioritaire? Ça, c'est un défi important. L'autre défi, c'est le pouvoir d'achat. Les Congolais, ceux qui ont marché les lots, bah prix est triplé, doublé, quadruplé, bah prix à bien des ménages. Et aussi, bah mesure urgente. Et donc, l'environnement, wana, comment qu'on fonde espoir tant que l'environnement est lisible, est clarté. Je crois que tu as jugé, et là, Félix a peut-être raison, na bah, premier acte à composer, ou qu'on juge et qu'on oriente ceux qui azor à répondre oui ou non, na bah, vrai défi est à cause. En même temps, tout à l'heure, qui discours, na bah, réforme à poser la structurelle. Qu'on diversifie l'économie et l'économie, tout le monde a la dépendance, il y a la mine, où ils ont les sources principales à revenir pour l'ambition, en tout cas première source. Plutôt qu'il y ait une économie portée vers l'agriculture, ça veut dire relancer la filière agricole, qu'on remette la route des états agricoles, à l'objet de 3200 km de route, qu'on remette la connectivité à la grande ville pour que la zone de production et qu'on a connecté à la zone de consommation, c'est-à-dire qu'on a la ville, peut-être qu'on ait la BAC, l'énergie à développer. Tout ça, c'est les moyens d'été. Et qu'on soit au moins 2-3 ans, ou en tout cas au minimum 2 ans, pour que tu vas sentir effet, il y a une mesure. Donc à court terme, on a la pression, l'opinion, ou on a le résultat, alors que la réforme est aussi en attente et qu'il y a attenté. Donc est-ce qu'il faut espérer on verra dans l'acte, mais il faut communiquer, bêler, parce que l'opinion n'attend pas. L'opinion est tellement impatiente que la réforme structurelle, ou il y a aussi et qu'il y a un résultat dans mon coup. Mais en termes de programme, c'est un programme ambitieux. Na hauteur, il y a des défis ambitieux. Et ça, pratiquement, il y a l'élément de langage tout le monde. Les gens qui ont diversifié l'économie, bon, bah, technicien politique, bah, le PNSD, depuis 2015, est posé principe de diversifier l'économie. Mm-hmm. Les faisant faisaient un rendu pouvoir en 2018 à repersonnaliser le PNSD. C'est la machine à Poulman, dans mon bassin sous revu à PNSD encore. Et ça, bah, principe de base, autre chose en Ango. Qu'on reconnecte ma ville, et ça, principe de base, autour en Ango, le plan directeur est allé. Dans le binamino, alors que le plan d'industrialisation 2021, ils ont voté à niveau budget. Et ça, bah, plan, ils ont mis ça. Les problèmes ils allient financement en Ango. Les alliés, mise en œuvre en Ango. Les alliés, qu'on tient bon réellement avec le projet pour avoir un résultat. Et puis, bah, choix, il y a politique publique. Aujourd'hui, le projet de 345 territoires qui est un projet intéressant. Mais tu as le choix de tout ça là qui. Tu as le choix de la infrastructure plutôt que dans la route. Ça, c'est un choix politique. Mm-hmm. Alors que tu crois dans la route, où ils ont un effet d'entraînement en termes d'agriculture, en termes de production, en termes de consommation. Mais bon, peut-être pour des raisons électoralistes, on a fait le choix de faire des bâtiments, ils sont plus visibles que Banzela. Mais impact nango à court terme, ils ont mouqué par rapport à court terme. Le premier, il y a un choix tout ça là, nambongo tout ça par rapport à choix. Ceux qui ont un bon choix, ceux qui ont rationalisé la dépense, et qui ont réellement vers l'action, et que rigueur est salée pour que nous ayons une approche à battre, bah effet que ça les peut-être à moyen et à long terme, et pour plaisir ressentir en haut. Mais ceux qui tout ça là, en haut, tout ça quand on a un bon projet, l'objectif 80, c'était un bon projet. Mon bout à l'obaki, toi, on essaie d'ailleurs objectif 80. Ceux qui ont un projet, mon bout, c'est des très très bons projets. Hein? Le plan de 10 ans pour nous aider comme en 80, numéro 1, numéro 2, c'est des très très bons projets. Il n'y a rien à dire. Le problème, ce n'est pas les bons projets, le problème, c'est la mise en œuvre des projets. Et dans le cannabis, mise en œuvre de poser problème à la fois en termes de choix des personnes, en termes de rationalisation de dépenses, en termes de priorité, et puis après, en termes, il y a austérité, il y a autodoxie dans la gestion, il y a Mbongo. Tout ce qu'on dispersé parfois, Mbongo, on a un projet, tout ce qu'on a peut-être une utilité. Tout ce dépensé 300 millions, on a un lampadaire. Est-ce qu'avec 300 millions, on a un micro-barrage? On a plusieurs micro-barrages.
ou comme un surplus électrique na hotel na inga et puis na kokabola courant na ville qui Kinshasa, mais on choisit de mettre peut-être des panneaux solaires alors qu'on peut faire un micro barrage et réduire le déficit énergétique dans la ville de Kinshasa. C'est des choix autour de ça là, de cela que tu avances tout. Un problème est un choix très important. J'espère que Bandeko Bazola Ndabiso va Kondi Barozo Bachar Malamo. On a intérêt en Boka Congo, Ndeko Jean-Pinga Lula. Vous êtes avocat, juriste de formation. Olandi Bongo Bokoti na Mosala. Il y a Ndeko Constant Mutamba. Il y a vraiment la détermination. Impunité zéro. À la Kiko Tonga, ba prison à Sika. Spécialement pour na ba détourneur, il y a Mosolo à l'État. À la qui bongo ko téléme na baignon so basali ko kondisa dita et même à la qui a sengi bongo na procureur après la cour de cassation ko landela bato bazala ba mazo ko sa la promotion ya homosexualité. Comment est-ce que vous allez comment est-ce que vent ya sika et allez ko souffler na o etali justice en boka na biso. Merci beaucoup maman na motu mokonzo ya yo. Kasi tika ningana tondo la nano na lulenge oyo bandeko babandaki. Bongo simande na koyano la na motuno wa yo eli motuna mokonza oyo ya monene makasi. Mama natondi sami na pasi na motema oyo na yaki na yangote. Koyoka ete ndeko feli alobi, nous sommes les chantres du chef de l'état. C'était très grave. Ce sont des propos scandaleux pour un homme politique appelé demain à gérer les autres. Chantre du chef de l'État. Bon, je le comprends, c'est ça l'IDPS. Ngai nali chantre du chef de l'État te. Na kozala rapé à moto te. Nazali ou du côté de la défense de la population et de mon peuple. Plus jamais, et je dis à mon frère d'arrêter avec ce langage, de dire juste, nous sommes le chantre du chef de l'État. Non, soyez à la défense de la nation, de la patrie. Na yoki ya lobiawa. Je suis à la calamité, j'étais à Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais maman, on l'a dit rapporté, Tobimi, quatrième pays plus pauvre au monde. Tokomi a nengeni. Na je suis à Malambozo Kambanango école. Tobima, quatrième pays plus pauvre au monde. Na je suis à Malonga Nini. Obozana Yango. Tokomi a stade ndengeni maman. Donc, kola ki sa été, je suis allé extrêmement calamiteuse. Ndeko auti kuluba makamboyo eza malamu te. Alobi programme ya gouvernement ali malamu. Nalinga kuluba eloko yombala na mbala tobosa na kate. Mama Suminu, elle n'est pas une prime part dans la politique. Elle n'est pas non plus une vierge politique, elle est déviergée politiquement. Parce qu'auti na ministère ya plan. Bilana ekune ali zéro. Tangu tokuluba ete topesa ete tokupesa tandenge nini. Le pays passe dans sa période la plus dirigeante qu'on a jamais connue. Il y a la crise de confiance à l'interne. Cette crise de confiance et de la cohésion nationale sur la confiance qu'on pouvait poser sur nos institutions. Et où est Samalou Kondé? Samalou Kondé qui a échoué avec lui dans le gouvernement. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Félix Tshisekedi nous amène un régime de qui perd gagne. C'est celui qui échoue qu'on récompense plus. Pourquoi quelqu'un qui a échoué à gauche doit bénéficier d'un grand poste à droite? Kamere qui a échoué à l'économie se retrouve maintenant président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il sera digne de voir un ministre de l'économie qui va échouer et lui va lui tenir des mots où il sera le mettre dehors, le sanctionner? Je dirais non, parce qu'il sera son collègue. Est-ce que Ngobila qui est devenu aujourd'hui sénateur peut-il sanctionner un gouvernement, un gouverneur de la ville de Kinshasa qui va gérer très mal? Il ne fera jamais, parce que ce sont son collègue. Madame, donc, arrêtez de dire que ce gouvernement va faire quelque chose d'important. Nous disons non. Pourquoi? Parce qu'il y a eu les indices sérieux de l'échec. Comment ça? Oui, madame, Monsala Sibasimba qui, maman, Monsala Sibasimba qui, tenengeni. Quand nous regardons le temps qui nous a pris pour former le gouvernement, les rétractations, kobonde lo bakomi kobonde la ba député pour pas voter programme ya gouvernement. Lorsque nous regardons ces temps-là, nous regardons une première ministre nommée et pour la toute première personne pour lui d'aller voir pour lui dire voilà donc démontrer que le premier ministre c'était monsieur Augustin Kabuya. Mais elle est... Je suis en train non non
Félix, attendez, je vous donne. Il y a la jurisprudence dans l'IDPS. Je suis un ancien de l'IDPS. On nomme Étienne Tshisekedi ministre, premier ministre. On dit non, Mobutu vous a nommé. Il dit non, non, ce n'est pas Mobutu. C'est la volonté du peuple. Et il dit, quand Mobutu a fait la liste, de la même manière qu'on veut lui faire des listes pour les listes des gouvernements, Tshisekedi à l'époque avait refusé ça. Donc, à ce jour, nous disons que ce gouvernement ne fera rien. Un aspect très scientifique, c'est pratiquement impossible qu'il fasse quelque chose. Et madame Azana au gouvernement, madame Soumino, Azana a programme à gouvernement, madame Azui, Makambo chef de l'État, yango ya bongoli, oui, ce qui est normal. A bongoli yango, mais en a dose na yango bakisini. Mais contrat social au tata mukambeko la joie qui. Mais contrat social wana. Contrat social, quid? Il y a programme ya kala. Si c'était le bon programme, oyo Samalukonda zalaki na yango. Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi casser le programme de Samalukonde pour créer un autre programme? Vous savez les conséquences dans la res publica. Les conséquences sont néfastes. Maman, la République fonctionne avec la continuité, pas avec les cassures. Lorsque vous cassez aussi les élans de tous les programmes. Maintenant, vous créez un autre programme. Or, comme c'est la même personne, vous pouvez continuer avec les mêmes programmes. Achever ce que Samalukonde avait mis en place. Pourquoi? Parce que Samalukonde a échoué. Samalukonde a échoué avec quel programme? Le programme de Tshisekedi. Maintenant, le même programme qui a échoué sur Samalukonde, de 15 piliers, maintenant on réduit à 6 piliers, les mêmes piliers retrouvés dans les piliers de Samalukonde. Donc il y a l'échec. On ne peut pas retenir. Donc, madame, de ce côté-là, nous disons, il y a l'échec est patent. Que la population prie seulement les biens du ciel pour que nous puissions évoluer. Prophète de malheur. Par rapport à ça, oui, j'accepterai que vous me dites que je suis prophète de malheur, mais prouvez-moi le contraire. Je ne le suis pas. Prouvez-moi le contraire que ce que j'ai dit, ce n'est pas ça. Si le programme de Samalukonde était bon, pourquoi créer un autre programme? Trois mois après, madame. Donc, il ne faut pas sa maman confiance. En politique, on ne donne pas des gens confiance. On t'impose. On te dit ce que tu dois faire. Et tu le fais. Nous, nous voyons. Et c'est ça notre droit à nous. C'est ça l'obligation que tu as dans ces postes-là. Chance n'a pas selon les Camerounais. N'a pas selon chance. Nous avons retombé sous le panier ménagère. Quand madame a dit, d'abord, le programme est irréalisable. Non, ce qui milliards de dollars à vous envoyer. Oh, c'est impossible. Avec tout, avec le régime ici, avec ce régime des voleurs, avec ce régime. Maman, oui, mais bien au baga. Oh non non, forage. Bozola, forage à maille boulou. L'oncle est au la cala, ne forage. Tant bozola baga lampadaire, mouinda. Arrêtez. Avec ce régime ici. L'Assemblée nationale, si vous continuez de m'injurier, vous injuriez les chefs de l'État. Est-ce que vous acceptez sur votre plateau on puisse déduire ces propos-là? Mais non, madame. Quand on vous dit, quel est ce régime? Avec ce régime ici? Avec cette maman? Non. C'est comme ça que je demanderais que ceux qui m'ont balé à Rolandangaï, ils sont aussi démissionnés bien avant. Un peu d'élégance. Non, non, a démissionné parce que à côté na liboulou oyo et quoi qu'on salir bango famille mobimba. Régime ouzali régime à malongate. Même quand vous venez avec beaucoup de atabazu budget aux États-Unis, bah pèse régime ouy, bah quoi échouer, bah quoi imba, bah quoi détourner. L'ambassadeur pena bah forage ndeko Nicolas Kazadoki na liboso bah juge nenge. Kabuya lobi togoti kande konabiso ya pouvoir ya parti politique na biso te. Toko sundola yete. Même quand il a mené la matinée, na bango basala qui non. Alors qui vous a dit que tout tiki? Et pourtant il devait le laisser. Il dit non, tout tiki était. Mon botiki était muto mouhi bi abumi mboka. Bino mon botiki était. Mouhi bi juge ndako ako définir. Non non, il y a les indices sérieux de culpabilité, maman. Lorsque quelqu'un dit que l'ampoule coûtait 1500, mais moi m'a forcé, j'ai donné 5000. Maintenant vous dites que mouhi bi salité. 3500 kiwa. Likamba justice toshi. Likamba na justice. Kaka ndenge ba prétention ezali ya makasi na chapelet de bonnes intentions ya gouvernement oyo mascara photoshop bazoko memela biso to moni yango pe na niveau ya ndeko na ngai oyo nazo pesa mbote mingi
Constant Mutamba, Otozalaka na ena katia nojeke allié, c'est un ami que je connais fort bien, on se connaît bien. Na sepeli parce que ministère wana ezalaka na maboko ya ba magistrat. Celui qui était là, le Maman Mutombo, était un magistrat. Une magistrate, je vous en prie. Mais maintenant, et quoi na maboko na biso ba avocat. Donc na maboko na ye. Na moni aye malamo. Mais loko na moni malamo te mbwa. Il ne pouvait pas amener les chefs. C'est un message. Il n'y a pas de mal. Dans le monde, il y a gestion. Il n'y a pas de côté. Si il y a un mal pour qu'il y ait tout ça ne sert à rien. Est-ce que le pays a besoin de construire une nouvelle prison? Non. Pourquoi construire une nouvelle? Donc, pour la famille, il y a mérité prison à Sika. Il y a un mal pour qu'il y ait. Donc, quand vous dites... les ambitions sont bonnes, mais lorsque ayena eloko yo homosexualité, il faut yeba eloko ya homosexualité oyo, c'est très dangereux pour l'Afrique et pour l'Europe. L'Europe, ils le font pour le sentiment gay à commune endengwana. Mais pour nous en Afrique, ils ont comme un moyen de vivre. C'est ça le plus dangereux. Et vous allez m'excuser, manimba ezaka na pri mo ko leka na moi mingi. Si quoi, ils ont commandé moyen moko ya batuko zokambo moko ebele. Et cela, c'est très dangereux. Mais je rappelle que l'article 334 du Code de la famille, même l'article 40 de la Constitution, interdit déjà le mariage des mêmes sexes. Donc, ceux qui ont balana, ceux qui ont une relation, ils allient déjà un sexe opposé d'après ces dispositions de la loi. Donc, inutile de faire d'autres lois, c'est question d'appliquer les lois qui étaient en train déjà d'exister. Parce que vous allez savoir que le ministère de la Justice avait perdu à un certain moment, à l'urne, le ministère, il y a répression, il y a contrôle, il y a ce qu'on appelle l'équilibre dans la gestion de la res publica. Mais actuellement, le la zongi si moi système moi, c'est une bonne chose, mais je vais lui demander, monsieur le ministre de la Justice, mon ami, là, vous me suivez, cher confrère, Koloba Mingite. Plus travailler. Plus travailler. Koloba Mingite, zona nous tant yako tanga. Zona nous tant yako lande la baloua, ou zoko souffrir na ba application. Si noté au Koloba Mingi, le la Zakari n'a même pas fait un parlement, alors fimu peut que nous na parlement. C'est risquant que Mbouana ait recours au ministère. Merci beaucoup, mon ami. C'est risquant que Mbouana ait recours inutilement, alors que ce que le pays attend beaucoup plus de nous, les actes. Et les actes qui vont créer l'impact. Et l'impact qui va créer la stabilité, le bon vivre et l'harmonie. Les discours, les prétentions, les gris-gris-gris. Qui ça, monsieur, donnez-moi dans 48 heures à Lingeti, je vais traquer, je vais faire. Vous allez rencontrer les oppositions des politiques et vous serez bloqué, vous serez ridicule. Ce qui importe, c'est la tête qui nous conduit. Comme il y a l'incompétence déjà au sommet de l'État, ceux qui sont en bas, même s'ils vont se battre, ça sera voué à l'échec parce que le chef de l'État lui-même manque presque la politique dans tous les domaines et manque même la maîtrise de ce qu'on appelle la gestion des ambitions au sein de sa famille politique. Cela occasionne des catastrophes naturelles qui font que le pays est dans les trous, qui ne sait pas se libérer. Et pour nous... Chité na yo na Italie justice, est-ce qu'il faut croire na maïnyo so ezayi ko salema, surtout en termes ya boko tiende ko Constant Mutamba po na mandat o ya souka. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Est-ce que balamboka il faut pas croire que justice ezayi ki malade lobby le l'autre ko expiré na changer? Merci maman Naomi na bandaki ko lobana donc et signer le temps aux ali na plateau à télévision to ka bien. Que nous sommes le chantre de Tshisekedi. Dans le but, nous sommes le chantre de la démocratie. Ça veut dire autrement. Ça, c'est quelle émission? Je ne suis pas partisan de la médiocrité. C'est ce que tu vous avais dit. Calme. Revoyez l'émission. C'est tout ce que je voulais dire. Revoyez l'émission. J'avais dit, nous sommes le chantre de la démocratie. Nous sommes le chantre de la bonne gouvernance. Voyez-vous, nous ne sommes pas les chantres de Tshisekedi. Tshisekedi, il y a un peu de temps. Je suis l'homme le plus heureux. Pourquoi? J'étais président de la JDPS. Moi, j'ai réussi Tshisekedi. On a fait des grandes choses avec le président Tshisekedi, encore secrétaire d'Achouna chargé des questions extérieures. Ce que pour vous dire, Makambo Nana Koloba Ezali Oyo na Yebinenge Mutazali Ali Nara Lukumute. Je parlais de l'art. Nous sommes des chantres de la démocratie.
et nous sommes le chantre de la bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait Makambo. Troisième, deuxième chose, je pense que le premier ministre, c'est comme on a Augustin Kabuya. D'abord, le secrétaire général Augustin Kabuya, Azali, président, pas président, Azali, secrétaire général et à parti, qui fait d'office président du parti, étant donné que Mme Soumina Azali, membre du parti, elle n'était même pas encore investie comme premier ministre. Elle a eu juste l'ordonnance. Et vous savez, le secrétaire général Augustin Kabuya, Azali, qui est informateur, il fallait qu'il continue Moussala Wana. Maman Soumina Kekomounaye, où est le mal, où est le péché? Pourquoi est-ce qu'il faut tout diaboliser? Quand on me pose la Makamoyonso, je ne sais pas la politique que nous sommes en train de faire. On dit Madame Soumina n'avait pas un programme. À saluer le programme à chef de l'État. Mais le chef de l'État, monsieur, avocat, juriste, le chef de l'État est le patron du gouvernement. C'est lui. Le vrai patron du gouvernement, c'est le chef de l'État. Et le premier ministre ou la première ministre applique la vision du chef de l'État. Sinon, ça devient de la rébellion ou de l'opposition. À quoi ajouter, oh, il y a quelque chose. Mais la ligne maîtresse, ils allaient à Mokonzi Mboka. Alors, il fallait terminer avec le programme de Samalokonde. Nous sommes au deuxième mandat du chef de l'État. Samalokonde a été nommé comme premier ministre au premier mandat du chef de l'État, bien sûr, après Ilunga Ilunkamba. Mais comment voulez-vous aujourd'hui que Ba continue le programme Oyo Samalokonde Zaki Nango? Si il va changer le programme, on suppose que le programme Elboso est qui est achevé et si l'union sort. Écoutez, je ne peux pas dire que et si l'union sont 100%, on peut atteindre. Monsieur, on n'est pas au marché ou soit dans un bar à Lingwala. Une très bonne question. Je suis ravi de cette question. Qui s'en calmer quand même, le monsieur. Non. Pas habitué à tu ne permets monsieur. Pas aux gens de rire. Tolérance. Répondez à la question. Non, il n'y a que la médiocrité qui peut lire. Répondez à la question. Répondez. Alors, c'est vous qui êtes madame, médiocre avec votre réponds. Gestion. Ah, mais je ne oui. suis pas parti de la médiocrité. Ni de ces c'est cas, vous, c'est avec votre gestion, papa. Tolérance. Et tu vas te faire un ordre, moi. Tu as encore du chemin à faire, monsieur. Non, c'est toi et qui as du chemin à faire pour arriver là où je suis. Qui est dans émission, ah là, je dois lui le dire. Vous n'avez pas la parole, Ndeko, s'il vous plaît. Tu as une Ndeko Feli. Je ne te donnerai pas la bonne signification de ton nom, ni de ce que tu es. Non, allez-y. Et je faites ne peux pas descendre trop bas. Faites ce que vous voulez faire. Allez-y, papa. Répondez à la question. Alors, je disais, madame, c'est de l'ignorance cliente. Lorsqu'une personne vous dit si c'est plateau, qu'il fallait continuer avec le programme de Samalokonde. Dès lors que la dame a été nommée comme premier ministre, elle a sa vision et doit rester dans la vision du chef de l'État et dit continuer avec la vision de Samalokonde ou le programme de Samalokonde, c'est être ignorant. Deuxième chose, on vous dit, Kabuya a dit, on ne doit pas abandonner. Encore du mensonge. Du mensonge, madame. Secrétaire général Augustin Kabuya Lobiboué. On ne forme pas un royaume, il y a Bato, il y a Mabé. Il y a d'ailleurs, la lande qui a une statue. Mais il y a juste pour se faire un petit nom d'un mensonge qui est le but qui est en train de sauter. La politique, c'est aussi la bonne éducation, dit la vérité. Il ne faut pas être dans des histoires de bas étage, une mauvaise éducation. Mentir, même là, il ne faut pas mentir. Je suis chaque jour avec le secrétaire général Augustin Kabuya. Je suis son proche collaborateur. Bah, interview à l'Assemblée nationale, joue sur sa session. Alors, il faut former royaume, il y a pas mal faire terre, tête, protéger. À Zongeli, yango na matinée politique dimanche, j'étais là. Écoute, c'est qu'on apprend encore sur votre plateau. Ça va de l'honneur de votre plateau. Avant d'arriver à la justice, madame, je vais rejoindre mon ami Christian. Je pense que c'est un projet où soit. Ambitieux, comme on dit, mais je demande à madame la première ministre Toulouka, il ne faut pas que Toti Kalan a projet. Je suis un économiste, je sais de quoi je parle. Il faut que l'on ait transformation des matières premières au produit fini. Tant que l'on a la transformation des matières premières au produit fini, et qu'on soit là que taux augmenté PIB, produit intérieur brut, Oyo Ezali Kolakisan Kita, Yanani. Et à Ecolo, et comment il s'appelle Mbongo,
tant que tu as la matière et tu as un produit fini, tu as créé na Congo awa ou bien un marché international ou bien marché mondial. C'est-à-dire, bah, diamant, abisso, bah, cuivre, abisso, bah, nini, abisso, et qu'on sale, que tout, bah, produit fini, bah, téléphone, bah, nini, bah, nini, bah, tu vas croire ce qu'on exporte par abisso. Tu comprends? Tant que tu vas croire qu'on exporte par abisso, et qu'on sale, nini, devise, et qu'on tire l'embour, abisso, n'a budget, abisso, et qu'on m'attend même plus. Deuxième chose, diversifier dans l'économie. N'a pas dit que, ministre et agriculture, ouana, n'a pêche et élevage, il faut basse à la moussala, à bango. Tozali nga na zoka chance na kenda mwenidi tukuna na zwa mutu katiki sasa na mona ma bele ba espace vide mama toza capable ya ba pays mususu ba ya ko banda ko somba masango e pa na biso toza capable ya ba agriculture na biso e komi ba bilanga moko a quantité industrielle oyo masango ko ke ba pays mususu zambi tokoteka la zambi masango tokoteka la Brazzaville masango tokoteka la ba pays mususu wana. Donc je demande à ce que madame Soumina a sale de manière à ce que ministre agriculture azala vraiment na ba tracteur comme il se doit, il y a des banques agricoles au ezalaka de manière à ce que tous à la liste de ma pénurie de maïs. Donc je résume en disant produit fini, tout longwa, na matière première pour créer maintenant produit fini, c'est-à-dire que ministre de l'industrie, il faut que nous puissions avoir des industries de transformation de produits finis dans notre pays ici. Il n'y aura plus les gens qui vont commencer à venir ici importer la matière première pour aller nous fabriquer les téléphones et nous revendre ces téléphones-là à un prix exagéré, nous revendre les ordinateurs à un prix exagéré. Toko créer marché mondial, marché international. Pour la justice, maman, je pense que Ndokomu Tamba aye na ba intention à bien, aye na détermination, mais il ne faut pas que 2, 3 mois, 4 mois et si là. Nous voulons voir ce monsieur qui a même dit pendant qu'il était dans l'opposition que ceux qui n'ont pas eu le ministère de la justice, là où ça l'a bouillé, à Salamoussala. Mokoziambo Kayasola, le bâti qui est justice en vie sociale malade. C'est par rapport à ba animateur. Mais c'est ngeli sikoyo ba animateur wana o tuza bango lilo na ba avocat, ba juge, soki ba magistrat, ba nini, ba procureur yonso na bango bazali likolo ya mibe côté, nil ne au-dessus de la loi. Ce qui vraiment ba ko banda ko kanga pe ba oyo ba ko kondi ba corruption ba oyo ba ko rendre ba jugement lukuta ba oyo ba ko dire droit d'une manière partielle, pourtant les juristes disent que les droits doivent être dit d'une manière impartiale, ba toi il faut ko kanga bango au comment que ba ba biso ko ndi biso, mais on ne peut que souhaiter bon vent et pas nani Mutamba, il a de bonnes idées, mais à tel et il faut qu'il aille jusqu'au bout. Maton Domingue Ndeko Moleka Christian, Malobano Yasuka pour la émission à Moko Nalilo, qui est retenir na passage Nayo, et s'il faut faire des recommandations pour que nous envoyons Simba, surtout dans l'Italie justice, et Moko Nalilo, sur mon détermination de Mutamba et Nango, est-ce que ça est coquille pédia pour nous changer? Bon, on va conseiller peut-être à quoi la théâtralisation politique. Je cherche à buzz politique, ils a bien pour l'image. Mais il y a une question essentielle, il y a une périphérie, plutôt que une question de fond. Bon, la justice a besoin de réforme. Même justice a besoin de réforme de Bélé. La réforme de Makassi a parlé sur le parquet financier. Ils ont le commissaire de proposer déjà à niveau d'IPOL. Ok, le parquet spécialisé pour la corruption notamment. Il faut qu'on renforce Moussa la CNRF, c'est le ministère de renseignement financier. Pour ça, Moussa a causé la corruption, mais et puis il faut qu'on améliore la condition de travail à la juge. C'est vrai, tous autres, le Belarak à côté, négatif, Moussa la Mabé, tout ça, mais il faut qu'on améliore la condition de travail à la juge, pour les conditions pour mieux travailler. Et donc, il y a une réforme même assez importante, et qu'on s'en attend, et qu'on s'en attend à Makoki. Peut-être, le pays a besoin de construire des prisons. Oui, notre politique carcérale, de manière générale, et c'est dans la revue, tout bien dans la prison d'Abisso, centre de rééducation. Mais est-ce que la prison d'Abisso va rééduquer là-bas? Est-ce que ta prison a école métier? Et qu'il y a un métier? Parce que tu as un jeune qui est dans le monde, à cause de radicaliser, il y a un métier qui est dans le monde. Mais si tu as un métier et qu'il y a un métier qui est dans le monde, c'est mieux. Donc il faudrait vraiment qu'on revoie la politique carcérale, qu'on désengorge la prison, qu'on tombe à Sika. Ça dévend de l'argent, espérant qu'il aura les ressources pour la politique. Et puis là, peut-être que ça, il y a l'importation. Le Congo importe pour 6 milliards de dollars l'an. Donc ce que tu as vraiment
to régler le problème wana, il faut to zongisa agriculture na mboka na biso. Biso kolaka to yebaka lo sa bomba. Lo sa bomba za susté to wolera ba bloka ba ndo pakistanais ya ba libanais. Il faut ko zongisa ba filière agricole, il faut ko zongisa ba nzela, il faut ko zongisa. J'espère que Jean-Pierre Bemba qui a pris le transport bief navigable na fleuve to zongisa transport navigable naval notamment pour na pour permettre que ba produits alimentaires et ya kana ba grande ville. Ce que tu travailles sérieusement, on peut avoir ba début et ba résultat en quelques années, mais ba défi est énorme et je pense que même à ta PC président 5 ans à Constance sauté parce que ma défi en Congo et ça mouné de ma casse trop. Mais c'est possible de ressentir le changement. Donc c'est possible de poser les bases, il y a évolué, il y a changement. Ceux qui va travailler avec détermination et bâtir sérieux, quitte à ce que le changement ils aient quoi 51, il faut tout tenir en mouta bateau que développement et cause à 30 ans, et cause à 15, 20 ans. Ma réforme est à la lente, mais évolution est à la lente, mais ça va prendre du temps. Très bien, merci beaucoup Ndeko Jean-Pingalo Maloba Yasuka pour l'émission à l'élo. Que retenir et s'il faut faire des recommandations, on va continuer à mon sala, Mikolo Oezali, pendant 5 ans à venir, Ninko Ebisabango, et puis votre mot de la fin. Ce qu'il faut retenir, d'abord sur le plan de la sécurité, je vous ai dit, étant donné que la situation est persistante et que nous avons tendu la main à la communauté internationale et cherché les renforts, ils se sont montrés complices de la situation qui est à l'est, Namonyele Nabiso et Ekolo. Il est temps, ça c'est ma proposition au chef de l'État, et il est temps de réunir fils et filles de ces pays, toutes les forces politiques autour d'une table, réfléchir ensemble, se dire des vérités qui est traître, qui ne l'est pas. En tout cas, mettre les points sur les i, to lobeli yango, to recommander, to sali cohésion nationale, unité nationale, et kozalero kwa malamu. Par rapport à Mokonzano et Tali na gouvernement, il ne faut rien attendre de ce gouvernement parce que les indices seriez échecs, ils allaient déjà établis. Et monani, kasi yango ne azo kende, et monani, kasi nasima yako mona na bazali déjà wana, de na recommanda ki na mama premier ministre. Na ba modèle na ye ou akozwa lokola premier ministre Baleka, mama zala lokola Lumumba, Lumumba zala ki na courage akotelemela mondele pe koloba vérité na ba konzina ye ou eza malamu atelemeli zala lokola tient tisekedi wa Mulumba bindimandi maeza la te ba mona yo mwasi kasi telema tala ekolo lobele ekolo tala nzala tala sécurité zala na courage akotelemela mibali oyo ya misato mama zala na mwa rigueur na mwa kote ya muke oyo ya matata tomonaka ezalaka mwa muke rigere mama zala na mwa rigere ya muke alors na suka na yango mama zala lokola mwasi tala pasi ya ba mama oyo lokola yo bazoko souffrir na eloko etali makambo oyo ya justice tolobi ete na recommander na ministre d'état ministre de justice kangana no monoko papa sala mosala bilembo emonana les discours on en a entendu. Ba impression to mona yango, ba intention to mona yango, to mona ba to ba yawa ba lobano. Pour le moment, ferme ta bouche, concentre-toi à travailler. Longola mboa zanya mamala moté na kati ya mosala oyo kufane pamba. Yo se concentrer na mosala na yo. Na yoki na suka, na eloko etali oyo to lobeli na ndeko kabuya, ndeko nanga lobi, Feli alobi tout le temps. Ya lexaraka pembeni ya kabuya bavanda kana kabuya mais biso to lexaraka tango na biso tout le temps avec la population ko tala ndenge population souffrir comme ma déshydratant na bango et pas chef de l'état memela kabuya sango ndeko loba na ye ba kongomane ba lobi lokola juli kanisho malamo les années 54 ministères oyo bazui lokola zo ko recommander na komemela ye sac monene ya ba CV ya ba kongomane ba jeune ba sisi classe bazana misala te e longo amemela bango ezali amema yango likambo oyo amema yango na kati ya union sacré na presidium ya union sacré ba pesa ba kongomani misala ba recommander bango mais a part misala ya ba entreprise ezali malamu na ya ba oyo mais ba créer ba entreprise ndenge de kwa lobby parce que misala ya ba cabinet ezali éphémère ezala kana ba temps. Mais ceux qui basali ba société ba bundana ko sala eloko wana e kozala mingi malamu makasi nde na sengi na gouvernement oyo ndenge ba koti na mosala bien que bendisi serie ya échec na bino monani ke boko sala eloko te mais sauver ne serait-ce la nation parce que nazo benga bango gouvernement ya 12 bazaka na 2 ans pamba ba kosala remaniement ba kolongola bango ba kotia bato na sika
wana retenir eloko na yebisio. Mais na yebisio na uti olanda nga moko moto na union sacré alobi mais atabiso ba toto zangali ko zo ba poste to yebi ke mikoloko ya liboso gouvernement oyo président de la République a Koremani a kusala makam. Donc ce qui est grand problème dans ces pays madame mu chino lobi hein moto to poisson bandaka ko polela na moto. Lorsque leadership eza makasi ezali compétent nous se tirer les conseils même malam. Mais lorsque il y a l'incompétence au sommet de l'État, donc au éthicali ils sont sous makambo kolandate. Donc proposition Martin Foyou pour na tovanda to lobela makambo na est ngai lokola résistant pe opposant, je m'approprie cette élite là pour que tovanda to solo là, pas pour des postes mais seulement pour ça. Très bien, merci beaucoup Ndeko Félix KMB de l'UDPS, Ndeko Jean-Pierre Galola pe monamboka Christian Moleka coordonnateur ya Dipol les qui pour na Congo. Merci Ndeko Balandi. Ya Congo Buzz Télévision, on se retrouve prochainement, on va inviter vos sommets toujours avec le même plaisir. Toling à Congo, to bâtir la Congo peut-être ça mo sala pour na ekolo na biso. Au revoir.